Je reconnais, mais par contre, je redis ce que j'ai dit. Effectivement, selon comment on parle et la phrase que l'on dit, on peut l'interpréter différemment. Donc, ce que je vous demande, c'est où vous faites un vrai un condensé de ce qu'a dit. C'est comme là, je veux dire, en tout cas, je voterai contre le compte rendu parce que passer 10 pages, et ben, et si, et oui, je pense qu'on n'est pas dans la cour de récréation d'une maternelle et qu'on peut dire éventuellement les choses pour lesquelles on a posé une question ou pas, tout simplement. Et non pas répéter comme ça, parce que dans une discussion, on n'a pas du tout la même façon de dire que si on écrit. Donc, ce n'est pas évident, ni pour vous, ni pour nous. Donc voilà, je vous le dis, il faut interpréter effectivement, je l'ai dit, mais pas du tout de la même façon dont vous l'avez écrit. Ouais, non, mais c'est, toujours, c'est toujours la complexité, la problématique, c'est quelque chose de nouveau. Après, ce qui est dit, et ce qui n'est pas dit, n'est pas dit. Mais il ne faut pas que ça soit toujours dans le même sens. Non, non, mais bien sûr, mais il y a pas de souci. C'est pour ça que le compte rendu s'est enregistré, on remet exactement ce qui a été dit, non, comme ça, il n'y a pas de nuance. Non, pas sur le même ton, Jean-Christophe. Excuse-moi, quand tu dis à quelqu'un, alors donc, suite à ta phrase, alors donc, Mathieu Bonnard n'aura plus de subvention d'indemnité, c'est pas la même chose de dire, est-ce que Mathieu Bonnard aura encore des indemnités? Ce n'est pas du tout la même chose. C'est tout. Voilà, c'est ok. Non, mais je peux la parler comme tu veux. Mais bien sûr, toi aussi, tu l'interprètes comme tu veux. Bien d'accord. On a bien parlé de l'éducation, c'est important. C'est ça. Oui. Voilà, on réécoute. Après, on interprète comme on veut. Comme vous voulez, c'est bien sûr. Non, non, comme on veut. On redit ce qui est dit. Voilà, comme on veut. C'est pas de jugement là-dessus. Je ne sais pas si ça va être utile ou pas. Je remets juste. Des choses. Donc, alors, approbation donc, sur le dernier procès verbal, donc le 17 février 2023. Donc, c'est 4 mois. 3 mois. 3 mois, hein. Donc, est-ce qu'on a dit de... Ah oui, là, les soucis, les cela. Oui. Ok. Donc, alors, voilà les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, de la 2023-13 à la 2023-19. Il n'y a rien de spécial, mais s'il y a des remarques ou pas, est-ce qu'on peut passer à l'ordre du jour? Oui. Merci. Donc, on passe à l'ordre du jour. Donc, le premier point, fixation du tarif de concession du cimetière communal. Henri Lannou. Donc, je rappelle à l'Assemblée du distance dans le domaine intérieur des SUVR, date de 1954, concernant le cimetière communal. Je propose soumettre au conseil municipal un nouveau règlement annexé à la date de délibération. Je précise enfin que la police et les cimetières relèvent de la compétence exclusive du maire en application des articles X et X et que par conséquent, le arrêté du maire permettra son entrée en vigueur. Je vous indique enfin que le travail de réorganisation des espaces est en cours et permet d'ores et déjà de créer de nouvelles concessions au cimetière communal. Je vous propose donc ce nouveau conseil Je vous propose donc ce nouveau conseil.
je propose à l'Assemblée de faire évoluer certains tarifs relatifs à la délivrance de concessions au cimetière. C'est quand même bien au cimetière. Oui, ainsi en général, quand on dit à part des discours, ainsi que la tarification du carreau provisoire. Je précise qu'il est même fait de fixer le tarif de vente de carreaux situés sur des espaces de concession trentenaires à délivrer. Donc, on propose de fixer le tarif relatif à la délivrance de concession trentenaires à 200 euros le mètre carré. Il était précédemment à 150 euros, ça pourrait être une question. Et je propose de fixer la tarification des carreaux provisoires comme suit. Le premier mois gratuit, du deuxième au sixième mois 50 euros par mois, du septième au douzième mois 150 euros par mois. Je propose de fixer le tarif de la concession du cas de l'employeur comme suit, concession de surprise, chose qui n'existait pas précédemment, à 400 euros, une concession de sur 30 ans à 650 euros, elle était à 560 euros. Elle était à 560 euros. Voilà donc. Je vous propose d'avoir promis également. Je vous propose de fixer le tarif de vente du carreau situé sur les concessions à délivrer. Le numéro C2-77-78 à 3 euros. Voilà, c'est des questions. Sinon, je vous propose. Je vais juste préciser les concessions conteneurs. On est passé à 200 euros avant la société de la centre. C'est plus juste. C'est plus la vie. Est-ce qu'il y a des, objections? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. On est renouvelé le projet de vœux. Voilà. Excusez-moi, mais c'est l'écran. Vite, donc je rappelle la salle d'extension par le ministère des sujets concernant la cimetière communale. Je vous propose ce jour, au conseil municipal un nouveau règlement annexé à la date de délibération. Je précise enfin que la remise des cimetières relève de la compétence exclusive du maire en application des articles de ne pas s'être cité et que par conséquent, seul l'arrêté du maire permettra son entrée en vigueur. Le résultat du travail de réorganisation des espaces est en cours et permet d'ores et déjà de créer de nouvelles concessions aux cimetières communales. Je vous propose donc ce jour de créer 7 concessions partenaires selon le plan annexé à la délibération, dont 3 sont déjà équipées de carreaux. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des. On peut contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 3, ajouté en point 2, je voulais dire que Alexandre Reil, ça avait arrêté. Il arrive avec un peu de rang. Donc il arrive. Donc à partir du point 3, il votera. Donc reprise de sépulture en terrain commun au cimetière communal. On est toujours au cimetière. Et je rappelle à l'Assemblée que, conformément à la réglementation fédérale en vigueur, la commune a obligation de mettre pas à la disposition des personnes disposant de droit d'inhumation de la cimetière communale, un terrain d'adam de durée minimale de 5 ans. À l'issue de ce délai, la commune peut décider de reprendre des emplacements par arrêté, ce dernier devant être affiché aux portes de la mairie et du cimetière. Cet arrêté doit préciser la date de la reprise effective et le délai laissé pour procéder à l'acquisition d'une concession ou à l'arrêtement des objets déposés sur la sépulture. Elle sera également notifiquement voulue de la commune. En absence d'une valide de réponse de leur part et en respect du délai qui a été prévu, la reprise de matériel à la sépulture sera effectuée. Les restes mortels seront exhumés et les mines d'un reliquaire puis déposées dans l'ossuaire communal. Ces opérations seront effectuées par l'entreprise justifiant une accréditation préfectorale. Voilà donc, c'est la question. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, point 4, approbation du convention de servitude entre la commune et le CNET 13, renforcement des années de prix, attention, parcelle 801, numéro 2865. Alexandre Weiss qui vient d'arriver, il arrive pile poil au bon moment. La parole est à toi, Alexandre.
Donc, je fais faire au nom du conseil municipal le contenu du projet de convention de servitude entre le 7 et le 13 de la commune concernant les parcelles qu'elle respecte à la section A, numéro 2865, propriété de la commune, dans le cadre des travaux de renforcement du réseau électrique basse tension, 6 avenue Jean-Marie Cromby et route des Baux. Afin de permettre la réalisation de ces travaux, il convient de déployer au SMED la dite servitude. Donc, vraiment, on a tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la déclaration. Je rappelle que c'était au centre-ville, les réseaux sont saturés en termes d'énergie. Il faut créer un poste supplémentaire, aussi bien pour la partie électrique que la partie téléphonique. Donc, si je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Allez, merci. Merci. Pour la salle, toujours moi, Alexandre, approbation de convention de servitude entre la commune de 713, office de branchement téléphonique par 700 à 1101. Je vous fais trois sous-titres de lecture. C'est vrai, sexe, parce que c'est un peu comme un mec. La seule différence, c'est que c'est le téléphone. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point 6, approbation du règlement intérieur du périscolaire. Oui, Germain. Oui, donc en date du 9/16/2021, concernant le règlement intérieur du scolaire. Donc, il y a une déclaration qui précisait que ce dernier pourrait être revu annuellement. Il pourrait s'adapter à la vie du parc périscolaire. Donc, vous savez qu'on est passé sur un logiciel de réservation en ligne pour PAG. Donc, on a revu ce règlement intérieur du parc périscolaire pour améliorer justement la réservation et notamment cette fois-ci l'annulation aussi pour des réservations particulièrement qui avaient été faites. Vous avez tous eu en main ce règlement intérieur modifié. Donc voilà, c'est notamment là-dessus, et après sur quelques petits détails, qu'il y a eu des modifications. Donc maintenant, la cantine pourra être annulée sur un panier minimum 3 jours avant, pour la garderie du soir minimum 2 jours avant, et pour les études de service 2 jours avant également, et la garderie du matin 1 jour avant. Ce qui change aussi essentiellement, c'est que ce règlement intérieur sera dans sa totalité donné aux familles à l'entrée en petite section et au CP, de façon à papier avec le dossier d'inscription. Et par contre, pour les autres années, d'une année sur l'autre, il n'y a plus qu'une feuille de renseignement où les parents cochent avoir toute connaissance du règlement intérieur qu'ils peuvent trouver sur le site internet, sur le site RG qui sera téléchargeable ou en version papier en média. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Juste, j'ai mes questions. La cantine, on peut la payer aussi par. Alors, les personnes qui ne peuvent pas la payer en ligne, peuvent aller en mettre. Oui, on peut aller en ligne. Oui, merci. Alors, c'est, finalement, il y a très peu de personnes qui font ça. De quoi, par Internet? Non. En ligne? Non. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc, votre unanimité, je vous remercie. Point 7, création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire, approbation de l'attente numéro 1, loin de vos œuvres d'émotion de vie. Je vous propose de votre équipe, et notamment cet article L2414-1-10-20, vu la libération numéro 2-2-9-3-2-15-7-3-2-22, portant la position du marché adoptif. Bravo pour le lot numéro 1, Roseur, pour la création de la future maison de santé pluridisciplinaire de vos salles de la vie. Considérant l'aménagement d'un parking d'une dizaine de places pour s'installer en dehors de la future maison de santé pluridisciplinaire, le nom de la rue d'Agarre, qui est prévu initialement par le maître d'œuvre, et devra être appréhendé désormais par le prisme du développement durable, comme l'exige désormais la société environnementale et mondiale, en contrepartie d'attribution de son aide financière. En espèce, l'ouvrage doit avoir une incidence neutre sur l'environnement et en particulier sur l'école commune tout en réseau prioritaire dans sa conception novatrice avec des pages de brillance sur toute la surface.
considérant des plus-values et des moins-values, aboutissant à surplus en vente à 6 760 euros, à 2,02% des montants hors taxe initiales des marchés, soit 335 000 euros hors taxe, soit un nouveau montant total de 341 768 hors taxe pour le lot numéro 1, Rose. Voilà, considérant que cette modification n'a pas pour objet de contourner les obligations publicitaires et de mise en concurrence. Voilà, donc ça c'est pour faire le parking traitement de votre côté. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas eu l'obligation du département d'exiger ce genre de procédure, vous n'y aviez pas pensé ou c'était prévu? Pas que je n'avais pas, non, n'était pas à l'époque puisque le dossier a été fait en 2021. D'accord. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour la 8, autorisation de signature rachis et travaux de paix pour le salon aux abords des voies communales pour aider Marc Fuda. Bien, vu le code de la commande publique, le travail sur les articles R1522 et R1523. Vu les dispositions de l'article L16612-17, vu les crédits inscrits par un investissement obligé de violette de la commune, considérant l'obligation faite de tout recul de réaliser des travaux de débroussaillement sur les abords de savoirie rurale en piémont de massif forestier en vue d'empêcher la survenance des feux et sa propagation. Cette obligation s'impose sur divers tronçons recensés des chemins ruraux en bordure de massif, tel est le cas. Alors, je vais tous vous décider, parce que comme ça, ça ne vous permettra pas de visualiser, mais au moins, on est sur eux. Donc, il y a le chemin de la Lioire, le chemin de la Fontaine, le chemin de la Monade, le chemin du Tal Perdu, le chemin du Tal Perdu, le chemin de Marguerite, le chemin du Mazigalère, le chemin des Pères de Marguerite, jusqu'au carrefour avec les caisses de l'Ulanitaire à la limite de Bourgès, le chemin des Oliviers, et après, le chemin du Choron, le du Bourbet. Tout ça, ça représente toute notre partie des importantes de cette ville. Ils sont effectués à la forêt nageuse du parc pour conserver sur trois mètres de haut l'abattage de quelques arbres lorsque la configuration l'exige. Le débroussaillement manuel, compte tenu de la configuration sur certains secteurs, le rangement des rémanents et leur mise en indien pour le voyage définitif en balle, le tout sur environ 4 hectares et demi de terrain d'accompagnement plus ou moins accidentel. Considérant les informations issues de la consultation réalisée, vit le profit acheteur sur la plateforme de la province marché public jusqu'au 16 février inclus au nombre de 4 entreprises. Alors, il y avait l'entreprise Rieux de Carpentras, l'Arbourgiste de Valence de Provence, M. Forestier de Saint-Martinet, Satan Calvaire de Saint-Martin-de-Croix, et parmi lesquelles celle formulée par l'entreprise Rieux a été reconnue comme économiquement la plus avantageuse par rapport à la commune, pour un montant forfaitaire de 6 950 euros par taxe, lui permettant ainsi de se conformer à l'article L134.10 du Code forestier. Considérant la titre de rappel, l'imputation de cette dépense éligible fut mentionnée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre du fonds destiné à la protection de la forêt méditerranéenne, en section d'investissement à l'article 212, agence nationale et aménagement du terrain, de la nomenclature N57, d'où la présente déclaration par l'autorisation d'investir avant le vote du budget exécutif de l'exercice 2023. Considérant. On autorise, considérant que le budget de 2022 opère en section d'investissement en déduction perte et remboursement en capital du crédit pour un montant global de 5 770 000 euros, ainsi que le plafond des dons de l'île, de 1 448 700 euros, l'autorisation donnée par le conseil municipal de la présence de l'immigration doit partir des conditions de la dépense envisagée ainsi que son adaptation. Voilà, on autorise M. le maire à signer et à mandater les crédits suivants de un montant de 6 950 euros, soit 1 340 euros TTC, article 202, opération 343.8.v. Voilà pour cet article. Donc, qui s'abstient? Non, maintenant, j'ai une question. D'abord, une bonne nouvelle. On vous a validé à cette CP 3 119 euros, justement, pour ça.
Et ma remarque que je fais à chaque fois, c'est que pour un montant si peu élevé, où vous n'êtes pas obligé de faire un MAPA, pourquoi vous n'essayez pas de faire travailler les entreprises locales en faisant trois devis? Voilà. Donc, on a fait une proposition à plusieurs entreprises et on a une autre proposition. Et avec un appel d'offre, vous avez des réponses. Avec un MAPA, vous avez des réponses. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je fais la remarque. Je te réponds. De prendre une entreprise centrale alors qu'on a peut-être des entreprises locales. On a fait la demande aux entreprises locales. Et sur les entreprises locales, on n'a pas eu de réponse. Voilà. Donc, je vous propose qu'on passe à l'autre. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Point 9, approbation de la charte 2023-2038 du Parc national de la Jeunesse. Bonjour à toi, Marc. Donc, j'en fais un avis que la région va organiser tout à l'essai de la dernière phase de la révision de la charte du Parc naturel de la Jeunesse, en consultant l'ensemble des collectivités territoriales concernées. Sur sollicitation du président du conseil régional, notre conseil municipal a délibéré et approuvé sans réserve la charte 2023-2038 du parc par délibération numéro 2022-09-15-06 du 15 septembre 2022. À l'issue des 4 mois de consultation, et après s'être assuré que les résultats de la consultation remplissaient les conditions cumulatives de majorité qui est fixé à l'article R333-7 du Code de l'environnement. Le conseil régional a approuvé la charte et a fixé le délégant du parc. Le dossier de charte a été remis par la suite au préfet de région pour traduction au ministère en charge de l'environnement en vue de la signature du décret par le premier ministre. Donc je précise que le préfet de région a demandé des modifications sur le rapport de la charte en réponse aux différents avis émis par le maire et le ministère au cours de la procédure de l'État. Donc, ils ont justement demandé qu'on serve les engagements de l'État, et seulement les engagements de l'État. Néanmoins, le rapport de charte qui a été modifié, cela ne doit pas être soumis au conseil municipal, au vote du conseil municipal. Donc, il y a donc lieu que notre conseil prenne la position sur ce nouveau rapport de la charte 2023-2028 par un vote pour valider cette nouvelle charte. Voilà, juste pour rappel, pour intégrer le parc naturel régional, les collectivités territoriales concernées par le PGR des plumes doivent approuver sa charte et ses annexes par une délibération positive et sans réserve, conformément au Code de l'environnement. L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicalisme de gestion du parc. Donc, vu le courrier du président du conseil régional, considérant le tableau comparatif les engagements de l'État, on décide d'approuver sans réserve le nouveau rapport de la charte 2023-2028 du parc régional des Alpes. Et on confirme de ce fait la région au sein du FAMIS et de gestion du parc naturel régional des Alpes dans les conditions fixées dans le projet de statut et donc dans le pouvoir fonctionnaire pour l'exécution de cette délibération. Donc ça apporte un définitif beaucoup de textes pour quelques modificatifs demandés par les organismes d'État auprès de cette charte. Donc on demande ces demandes de valider ces modificatifs demandés par l'État. Quelqu'un s'abstient, quelqu'un est contre, unanimité. Est-ce qu'on n'est plus à revenir pour le Par contre, c'est important de dire c'est que le parc va gérer des surfaces supplémentaires. Puisque avec la nouvelle charte, entre dans le parc la ville d'âme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est important de le dire que pour ce que vous avez fait. Sur la fin d'un moment, on a développé, il y a l'idée déjà des échats. Donc c'est pas le. Ça c'était déjà le but. Allez. Point 10, réhabilitation du rez-de-chaussée du groupe scolaire Charles-Piquet, validation de l'avant-projet, autorisation des dépôts, puis l'autorisation des travaux par an public. Donc, je vous rappelle que le projet qui était déjà, depuis un petit moment, en étudiant, on va dire, sur le groupe scolaire Charles-Piquet, de réhabilitation du rez-de-chaussée avec des travaux de rénovation des sanitaires. Donc de la maternelle et du pré-élémentaire, de la mise en peinture des classes et également le remplacement des éclairages sur le premier étage par des LED et le remplacement des menuiseries extérieures du plafond de la salle de motricité. Donc, l'avant-projet définitif a fait l'objet dans tous les gestionnaires de l'œuvre, M. Delat, architecte et dans la direction de la correspondance. Le groupe prévisionnel du projet à l'issue de la phase a été
c'est-à-dire donc ça, en taxe estimable, 1 732,50 €. Donc solution de base plus option. Donc voilà, il y a certaines, on a fait des tranches donc, de travaux et il y a des tranches mises d'options en fonction du résultat de la méthode, des montants qui nous seront. Il y a des choses qui pourront ne pas se faire parce qu'on les a mis en option. Hein? Oui, voilà, donc c'est ce qui nous permettrait de rentrer dans le budget. Donc, pour ce faire, il faut donc que le projet puisse se faire, il faut donc le dépôt d'une autorisation de travaux. Donc, je vous propose d'approuver un projet définitif qui est présenté, le troisième séminaire, le dépôt donc l'autorisation de travaux et le pouvoir de mer va se faire dans une délégation. Moi, j'ai une question. Oui, par contre, oui. Est-ce que ce montant-là faisait partie des travaux actés dans le contrat départemental et la subvention qui avait été accordée à l'agence. Et donc, ma deuxième question, et vous avez fait les travaux en juillet. Pourquoi n'avez-vous pas fait du coup, ces travaux-là en juillet en même temps? Parce que c'était compliqué par rapport à c'est ça, les entreprises qui étaient. C'est trop dans le monde. Voilà, au même endroit, et au même endroit, intérieur, extérieur. D'accord. Parce que là, du coup, avec la cour comme elle est, etc., ça va être un peu temps. Vous comptez faire les travaux quand, là? Ben là, ça va. Dès qu'on a tiré les enfants d'école. Quand je vois. Voilà. Ah non, mais ils sont juillet, 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 août. Et là, donc, vous avez vu aussi avec les entreprises, juillet, août, elles seront présentes. Il y a pas un accord, on va déposer. Voilà. Donc, ça, c'est à son travail. Et après, oui, il y a la boule de financer avec des conditions justement d'intervention sur juillet, août. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'abstention, des contre, donc vous faites l'unanimité. Merci aux trois d'une subvention exceptionnelle à l'association Piano Press. Pour le festival de piano, les activités musicales. Fabienne City. Donc, je fais part à l'Assemblée de la demande présentée par l'association Piano Presto, représentée par Madame Pipalier, sa présidente. L'association Piano Presto organise un festival de musique classique et de variété dans le jardin de l'espace Adorant à Puy durant deux soirées, les 18 et 19 août 2023. Dans le cadre de l'organisation de ce festival, Madame Chipagne, présidente de l'association Piano Presto, sollicite une subvention d'un montant de 2 000 €. Il y a donc lieu de délibérer ce jour sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la petite association. On décide d'octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Piano Presto et on leur dit pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y en a qui s'est... Oui, moi, je suis vraiment désolée, mais parce que l'année dernière, on y avait accordé une subvention. Et ouais. Très bien, et on le refait cette année. Pourquoi elle pourquoi c'est une aide exceptionnelle? De toute façon, si elle le refait, c'est dans le cadre de. L'aide exceptionnelle, ça veut dire qu'une fois. Or là, si c'est chaque année qu'on le remet, ouais. C'est tout simplement une. C'est le but qu'elle fasse l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et puis, pour l'instant, on n'a pas signé de convention qui nous lie entre cette association et nous, communes, pour 3 ans, 5 ans. Voilà. Donc, effectivement, elle est à chaque fois, il ne reste pas le même montant. Donc, on peut voir à chaque fois si c'est nécessaire et si c'est justifié et si elle continue. Sinon, on est d'accord. Mais, c'est une association qui ne restera peut-être pas forcément. Alors, on espère, parce que le but. C'est l'objectif, il y a un jour, de pouvoir jouer de ses propres. Elle nous a montré en fin de compte le bilan de l'année précédente avec une aide d'une association de son compagnon à côté pour pouvoir justement boucler le budget. Et elle, bon, cette année, en se prenant à l'avance, en pouvant faire de la publicité, elle a réduit certains coûts de notre plan. Bon, elle espère pouvoir bien sûr. Sur le domaine public, parce que chez les
toujours plus dangereux et plus, voilà, c'est pas qu'on veut pas, mais l'idée, peut-être qu'un jour, elle fera quelque chose d'extraordinaire chez elle, ça veut pas dire qu'on ne l'aidera pas, mais voilà, c'est toujours plus compliqué. Je crois que c'est quand même possible. Ah, en plus, là, il fait appel à d'autres artistes à côté qui viendront la compléter et qui certaines conditions. Ouais. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, Point. 12, approbation du convention collective de l'État par un groupe dans le cadre de la gestion de la pêche à déchets de balayage de poids. Donc, j'informe l'Assemblée qu'en application de la réglementation en vigueur, il est nécessaire de procéder au stockage, à l'enlèvement et à l'élimination des déchets générés par l'activité de balayage de la rue. J'indique que les communes de Montsalle et Valpille, par exemple, souhaitent s'associer pour partager les coûts correspondants à la location des domaines de 18 cubes et 18 mètres cubes, ainsi que les frais d'enlèvement et de traitement à la fin à la tonne de déchets. Le projet de convention à intervenir entre les deux communes détaille les modalités financières du partenariat. Ainsi, la commune de Paradou consacre à participer à hauteur de 50% du contrat conclu par notre commune avec la société Azure Train de Recyclage pour la location, l'enlèvement, l'élimination des déchets de même de 10 mètres. Donc, je précise que les termes du contrat sont conclus avec la société Azure Train de Recyclage ZEA La Massane, 13210 et Rennes de Provence pour une durée de 2 ans. Donc, les locations mensuelles de 15 à 18 mètres cubes s'élèvent à 65 euros taxes par mois. L'enlèvement pour un maximum de 10 par an s'élève à 137,88 euros taxes. Et le traitement à la tonne, dans un maximum de 68 tonnes par an et de 237 euros taxes. Donc, vu la licence technique, l'environnement, la sécurité de l'ancien des risques, la convention à intervenir après les communes de Montsalvo et de partout. Approuve la convention du partenariat entre les communes de Rossal et les Alpilles de Parazou en vue de partager les coûts de la location d'une benne de 18 mètres cubes ainsi que les frais d'enlèvement et de traitement à la tonne de déchets pour une durée de 2 ans avec reproduction tacite pour une année supplémentaire sauf dénonciation express pour une des deux parties 2 mois avant l'échéance. Donc, c'est notre question de guerre et le temps de faire. Il a fait de mener à vite cette affaire. Donc voilà. Donc qui s'abstient pour cette mutualisation? On renouvelle encore. Voilà. Un renouvellement. Pourquoi 10 ans est bon par an? Il y a besoin de 10 suffisants. Oui, oui. Parce que c'est déjà joué ou c'est ce qui est déjà actif. Voilà. Donc pas la peine d'avoir 12 au mois, ce qui avait 10 on est suffisant. Voilà, donc voter l'unanimité, merci. Alors, pour notre résumé, le programme de développement et de vidéoprotection annonce un couple de règles de l'opération et demande de subvention au conseil départemental Marc Fusard. Donc, je rappelle à l'Assemblée l'étude de programmation globale menée sous l'autorité de la commune par le bureau d'études M6. Il en résulte un programme fonctionnel détaillé. 5 ans des besoins en 3 phases englobant le matériel, les liaisons, la gestion et l'enregistrement des images et une enveloppe financière estimative à être affectée aux travaux d'un montant de 500 000 euros par phase. J'indique à l'Assemblée qu'il convient maintenant de se doter d'une mère en œuvre qui aura en charge la conception technique du programme, le montage des dossiers administratifs et le suivi des travaux. Le coût de la prestation de multisodeur global est estimé à 51 000 euros. Hors taxe, ce qui représente 10% de l'enveloppe financière prévisionnelle. Il est proposé ce jour d'adapter ce coût prévisionnel et solliciter du conseil départemental une subvention à hauteur de 60% au titre du dispositif aide du département aux équipements pour la sécurité publique. Donc, vu l'étude de programme réalisée par M6, vu le coût prévisionnel de la mission de maîtrise d'œuvre estimé à 51 000 euros hors taxe, adopte le coût prévisionnel de la mission de maîtrise d'œuvre complète associé au programme de modernisation et d'extension des dispositifs de vidéoprotection de la commune, s'élevant à 51 000 euros hors taxe. Adopte le plan de financement prévisionnel suivant.
Donc, coût prévisionnel de la maîtrise de l'œuvre, 51 000 euros par taxe, subvention du conseil départemental et du département aux équipements pour la sécurité publique, 30 600 euros, ce qui représente 60%. L'autofinancement de la commune de Moussa-Nabizaki, 20 400 euros par taxe, qui lui est ensuite. Donc, on sollicite du conseil départemental la subvention correspondante et on donne le pouvoir, monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Donc, voilà, c'était un projet sur lequel on a travaillé. Maintenant, on fait la demande de subvention pour aller plus loin dans l'élaboration de notre projet. On a juste un point zéro à 51 000 euros, c'est pas 510 000. Maîtrise d'œuvre. Non, c'est bien ça. Le coût total, c'est 500 000, on ne va pas les faire taper. Donc, on fait pour l'instant la première tout en fait en face, on verra. Et surtout, là, dans un premier temps, on fait cette demande-là. Et dans un premier temps, on change donc, le contrat de mandat existant qui sera obsolète, surtout sur le matériel, sur tout notre. Et combien on a aujourd'hui? Combien qui marche? Ah ben, marche. Ah, elle marche. Ça, c'est vraiment beaucoup plus. Parce que maintenant, on a une petite sec qui sera maintenant plus puissante. Mais combien on a aujourd'hui sur la commune? Sur la commune? 13. En fait, sur les parkings. Et on rajouterait du reste de parking. Voilà, ce qu'on va réussir. Comme ça, déjà, dans un premier temps, on rajoute les parkings. Et l'année d'après, voilà, il y a ce truc. On va demander. Là, ça va se donner. On va pas se demander une nouvelle. On va faire quoi? Voilà, donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Point 14, réalisation de l'aide de jeu à l'oral, option pour provisionnelle de l'opération et demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité. Émilie Germain. Donc, afin de réaliser en fait un réaménagement de l'aide de jeu pour enfin situer juste l'entrée de l'espace que les travaux consistent donc à réaliser la dépose de l'évacuation des jeux existants et à cause d'un nouveau sol, de la place de l'eau sur la lanceoire juste pour ressort et d'un grain d'araignée géant d'une tyrolienne. Le coût estimé de ces travaux est de 104 600 euros hors taxe. Il a donc lieu ce jour de valider le coût de cette opération et de solliciter le conseil départemental 13 une subvention qui se relève de travaux de proximité à hauteur de 70%. Donc c'est une enveloppe qu'on avait déjà déposée l'année dernière. Donc, c'est sur le même type, hein, les mêmes jeux. Donc, on dépose cette année. Mais le montant est floué, il me semble, la dernière fois. Non, c'est la même. C'est pas. Ah, si, c'est exactement la même. Il y a donc, voilà, donc, je vais appuyer. Donc, vous avez. C'est toujours en donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on avait demandé ça? Mais exactement à la même. Ça doit être, je pense, à la seconde de l'argent. La marche au abri de l'année dernière. L'année dernière, il y a une donc, voilà, des abstentions, des contre. Merci. Point 15, la décision de la commune, au secret, par Tuba. Pour le CP, c'est un organisme. Pas que là. C'est un organisme qui nous aide à faire des patrouilles sur le garde. Donc, j'indique que dans le cadre des articles L2211-1 du CGCT qui donne au maire les responsabilités de police administrative, incluant la sécurité qui est L125-2 du Code de l'environnement, introduisant l'obligation pour un maire d'informer la population sur les risques majeurs et les mesures de sauvegarde qui la concernent. La commune souhaite adhérer au centre, c'est le centre d'information pour la prévention des risques majeurs, qui le cite. Cette association non 1902 est gérée et cofinancée par notre partie État industriel, collectivité locale et territoriale. Donc, je précise que cette adhésion permettra à la commune de bénéficier de l'expertise du CIP en matière d'information et de communication sur les risques majeurs naturels et technologiques dans une démarche vertueuse de prévention des risques majeurs. À court terme, cette adhésion permettra au CIP d'assister la commune dans l'intervention de son plan communal de sauvegarde. Et je pourrais ajouter la réunion du décret.
exprime, qui se fera. En ce sens, l'adhésion au Gérardois à des conseils pour le développement de politiques de prévention des risques sur les domaines de l'intervention préventive sur les risques majeurs et la préparation à la gestion de crise. La cartographie des risques sur le territoire de la Gérardie. La publication du CIPLE, Flash Info quotidien, alerte réglementaire, Info Plus, et ainsi de suite. La participation à des colloques et séminaires comme petit déjeuner organisé par le CIPLE. Ça, c'est pas mal. Je vous dis que c'est près de panneaux d'exposition sur les risques majeurs, mise à disposition d'un fonds documentaire de plus de 10 000 références et assistance à la recherche bibliographique sur les risques majeurs. J'indique que la cotisation de la commune CIPLE s'élèvera pour 2023 à 570 000 €. Pareil, on verra. Ben, on verra s'il faut le 80 jours fait le jour. Donc, je vous propose donc d'adhérer à cette association pour vous aider à faire un préconisage de son regard et la future ligne rouge, je dirais, pour la continuité de notre mandat sur le territoire qu'on a réalisé. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. 16, mise à disposition de l'espace de galerie, Fabienne Sitini. Donc j'indique que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse revendiquée ci-dessous du 8 au 12 juin 2023 de l'association de la Sainte-Éloire, exposition photo, peinture, etc. Je vous propose, compte tenu de l'intérêt public de cette exposition organisée dans le cadre des fêtes de la Sainte-Éloire et par l'association Moussanet de la Sainte-Éloire, de mettre à disposition gracieusement l'espace galerie à signer. J'ajoute qu'il y a lieu d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition gracieuse de l'espace galerie pour le site indiqué. Donc, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Point 17. Création et garage public du chemin de l'Escompagnou et chemin des Assignols. L'adoption du coût prévisionnel et du plan de subvention au conseil départemental et titre de l'aide aux travaux de proximité. Patrick Lafitte. Donc, je rapporte à l'Assemblée la volonté de la commune de poursuivre les travaux d'amélioration de l'éclairage public sur son territoire. J'indique que des travaux sont à réaliser rue de l'Escampadou et chemin des Batignolles. Le coût estimé de ces travaux est de 45 000 € hors taxe pour la rue de l'Escampadou et de 46 200 € hors taxe pour le chemin des Batignolles, soit un total de 93 200 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, c'est le bar 96 000 € en place, et de solliciter du conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 60%. Considérant le coût prévisionnel de l'opération, c'est le bar à 93 200 € en place, plan de financement prévisionnel CAFRE, donc coût prévisionnel 94 200 € en place, subvention du conseil départemental 13 aux travaux de proximité 70%, plafonné à 85 000 €, c'est-à-dire 59 500 €, autofinancement de la commune de Moussa-les-Alpilles à 33 700 € hors taxe, TVA en sus. Donc, on sollicite le conseil départemental 13 pour la subvention correspondante au titre de l'aide aux travaux de proximité. Et on autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Des questions? Non. Qui est contre? Pour? Point 18, propos du site internet de la commune, adoption du professionnel et de l'ordre de subvention au conseil départemental au titre de l'aide à la France numérique. Donc je rappelle à l'Assemblée la configuration du contenu du site internet de la commune et la nécessité d'opérer une refonte complète de celui-ci dans l'objectif d'améliorer sa fonctionnalité, sa sécurité et son accessibilité. Et je précise que le coût de cette opération, WordPress de base, le contenu du site et pas lumineux, est estimé à 5 000 € en taxe. Il est proposé ce jour de solliciter une subvention départementale.
Donc, situation du conseil départemental au titre du dispositif d'aide à la Provence numérique. Et coût estimatif, donc je rappelle 5 000 € hors taxe, subvention demandée au conseil départemental d'aide à la Provence numérique 60%, 3 000 euros, et donc un autofinancement pour la commune de 2 000 euros, TVA en plus. Voilà. Quel âge il a ma pauvre. Il est juste dans le champ. Ouais, elle est dans la guerre, moi je ne sais pas, il est. 2008 Ça, par contre, je peux pas dire, on est morte. Mais est-ce qu'on va voir du vote, s'il y a des questions, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci. Point 19. Programme de représentation à plus général de Gaulle, l'adoption du coût prévisionnel et demande de subvention à la région et à l'État. Alors, l'Église indique que les cités ont connu 5 terrains malades avec 4 abattus au sud de la ville du général de Gaulle. Je rappelle l'importance de la maîtrise des espaces verts dans la loi populaire verte de la commune en tant qu'espace d'aménagement municipalisé qui présente le programme de représentation proposé, estimé à 64 580 euros hors taxe, principalement composé de 5 000 km qui peut consommer à 1 euro. Je précise qu'il convient de solliciter une demande de subvention auprès de la région dans le cadre du dispositif Nature Tamil, ainsi qu'à l'État au titre du fonds vert renaturation des villes et des villages. Donc, la note de coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 64 580 euros hors taxe. Le plan de financement prévisionnel s'y après. Le coût prévisionnel donc, est toujours de 64 580 euros hors taxe. La subvention à la région dans le cadre du dispositif Nature Tamil de 70%, qui représente 46 206 euros hors taxe. Subvention est à dispositif fonds vert, renaturation des villes et des villages à 10%. Ce qui représente 6 450 euros. L'autofinancement de la commune de Moussa-Mizaki, 12 916 euros TVA, soit 20% du coût. Donc, sollicite de la région dans le cadre du dispositif les subventions correspondantes et autorise le surmaire à signer toute pièce d'utile afin de mener bien cette affaire. Donc, voilà, c'est qui est contre. Juste, j'ai une question. Le coût prévisionnel du projet, vous l'avez trouvé comment? C'est Alain qui a calculé ce coût-là, en sachant que quasiment la moitié, c'est le dessouchage, ce qui coûte le plus cher. D'accord. Et de l'eau. Et de l'eau. Et c'est les deux tiers, de la facture. Et voilà. D'ailleurs, vous avez compté plus dans le budget. Vous avez pris une marge, parce que dans le budget, il est spécifié 77 500. Dans le budget d'investissement, avec ça. C'est... Non, mais parce que c'est juste. Dans le budget, on a mis TTC. Oui, et là, sur place. Ah oui. Voilà, mettre en place, c'est le budget. Il va après passer à 77 000. C'est ça, d'accord. Mais ouais. Parce que. Ouais, je suis là pour 30 PDF. Voilà. C'est un peu le budget, par contre. Oui, donc je vous propose qu'on fasse au vote, s'il y a plus de questions. Donc, qui s'abstient? Qui est contre unanimité, merci. Alors. Mais pardon, les candidats se feront à l'automne. Dès que je vais avoir les subventions, dès qu'on a les subventions, dès que le projet est complet, ça sera au moins l'automne ou début d'année prochaine. Au plus vite. Au plus tard. Et au plus vite. Voilà, dernière convention entre la commune et l'association des petits cœurs d'appui. L'intervention donc pour les tempêtes scolaires, Émilie Germain. Oui, donc je vous rappelle que l'association étudiante des appuis est en matière de la structure et présidente souhaite organiser une activité préscolaire dédiée à la pratique du jeu d'échecs, en fait, comme chaque année, le vendredi entre midi et deux, donc dans le temps cantine, donc 1h30, donc à dès qu'on aura voté la convention jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, si en fait, les enfants, c'est en plus du projet échec pour le temps scolaire.
Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, des abstentions? Il y a aussi beaucoup des contre. Voilà, merci pour le point 21. Donc, là, c'est parti pour passer au chapitre pour le moment. Approbation à l'amendement numéro 2 à l'encadre. Approbation dans le cadre du marché des travaux de réalisation de l'éclairage public. Alors, vous avez le programme public qui est dans les articles 91-94, vu la circulaire du 29 septembre 2022 de Madame le Premier ministre relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et abrogeant la circulaire numéro 6338 SG du 30 mars 2022. Considérant qu'un marché peut être mobilisé lorsque la modification est rendue nécessaire par les circonstances qu'un acheteur diligent ne peut pas prévoir, qu'en outre, le montant de la modification ne peut être supérieur à 50% du marché initial et en aucun cas la dite modification ne doit avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Considérant la conjoncture économique inflationniste et les surcoûts dans l'achat de ces matières premières nécessaires à l'exécution de son chantier, justifiant le projet d'avenant intégrant une formule d'actualisation, ne figurant pas dans le cas CCAG Travaux auquel fait effectivement référence le dit marché. Considérant que ces coûts peuvent être compensés par une modification du prix des réalisations de celui-ci selon la formule préactualisée, qui est égale au prix initial multiplié par l'indice à la date de début d'exécution des prestations moins 3 mois sur l'indice de la date de fixation du prix dans l'offre. Les coefficients d'actualisation sont arrondis millième supérieur. L'indice choisi est le TP12B. Considérant que cette actualisation n'a pour objet non pas de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, car ce marché alloti a fait l'objet d'une publicité réglementaire, mais de répondre aux exigences posées par la circulaire précitée du 29 septembre 2022 pour maîtriser l'impact financier de la conjoncture économique défavorable, rappelé par les services préfectoraux aux collectivités pour tout leur marché en cours. Donc, nous validons les éléments substantiels du projet d'avenant en insérant une formule d'actualisation au marché de travaux de modernisation de l'éclairage public et autorisant M. le maire à signer l'avenant correspondant. Des questions? Contre? Abstention? Unanime. Merci. Point 22, travaux de réaménagement au conseil municipal. Jours internes, rectification, erreur matérielle, attribution lot numéro 2. Alors, je rappelle à l'Assemblée que par délibération du numéro 20-22-10-26-23 le 26 octobre 2022, il est autorisé à signer le marché à l'autre précise. Je précise qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le montant des deux lots sur la base du rapport d'analyse des offres. La délibération indique la somme de 34 069 euros en taxes pour attribuer le marché relatif au lot numéro 2, menuiserie extérieure à l'entreprise ou mal entreprise, menuiserie, pardon, alors que l'acte d'engagement de l'entreprise au pays se tape initialement à 35 852 euros hors taxes, relisé à 34 039 euros hors taxes. Idem pour le lot numéro 4, peinture nettoyage attribué à l'entreprise PC Peinture pour 21 358 euros hors taxes au lieu de 21 558 euros hors taxes. D'où la nécessité de rectifier ces erreurs de plume tirées du rapport d'analyse des offres établi par le maître d'œuvre. Sans conséquence, c'est le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Vu que je suis de plus en plus. Je vous propose donc de corriger cette erreur matérielle et autorise M. le maire à signer le marché relatif au lot numéro 2 précité avec l'entreprise de moins de 1 000 euros pour un montant de 34 039 et non pas 34 069 euros en et du lot numéro 4 pour un montant de 21 558 euros en prêt et non pas de 21 358 euros hors taxe. Voilà, c'est une petite erreur de frappe. Question? Non. Qui est contre? Allez, on est obligé de repasser, c'est comme ça. Allez, point 23, travaux de réaménagement municipal, bloc sanitaire, autorisation de signature, avenant marché de travaux.
Alors, vu la délibération 2022-17-23 du 26 octobre 2022 portant attribution de la totalité des lots du marché de travaux de réalisation des blocs sanitaires, des travaux supplémentaires apparus nécessaires en cours d'exécution du marché concernant le lot numéro 1 aux œuvres pour 4061 euros portable, démolition d'un revêtement sur 20 mètres carrés, plus 4 autrement, plus création de réserve de 25 mètres carrés de placoplâtre, plus 11 mètres linéaires de plaine et 25 mètres carrés de présence. Pour le lot numéro 5, plomberie pour 1200 euros hors taxe de travaux d'encastrement de réseau. Pour le lot numéro 6, électricité pour 363 euros hors taxe, correspondant à des travaux de reprise et d'encastrement du réseau et d'éclairage au bloc nord. Considérant les nouveaux montants respectifs de 92 012 euros hors taxe, soit plus 4,62% du montant initial de 87 951 euros pour le lot numéro 1 aux œuvres, de 50 164 euros hors taxe, soit plus de 2,45% du montant initial de 48 964 euros pour le lot numéro 5, et enfin de 13 305 euros hors taxe, soit plus de 2,80 euros pour un montant initial de 12 942 euros hors taxe pour le lot numéro 6. Considérant que ces modifications n'ont pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence initialement mises en œuvre. Au vu de ces éléments, valide les éléments substantiels du projet d'avenant au lieu numéro 1, Roseur, numéro 5, Pandorie, et numéro 6, et SSI. Et on autorise M. le maire à signer ces avenants pour être. Des questions? Qui est contre? Abstention? Unanime. Merci. Point 24, travaux de rénovation de l'éclairage public aux premières et deuxième tranches. Demande de subvention à l'État au titre du fonds vert. Patrick Lafitte. Donc, je rappelle à l'Assemblée le programme de rénovation de l'éclairage public élaboré par le comité de travaux sur la base d'une avance d'études réalisée par le SNEFEL, diagnostic et schéma directeur de rénovation. Je précise que les deux premières tranches ont pour objet de traiter les priorités, à savoir le remplacement des lampes à vapeur de mercure et d'une partie des points lumineux ciblés comme prioritaires par l'étude diagnostique du 13, du SMEP 13. Globalement, les travaux concernent 267 points d'éclairage public, soit 42% du parc, et permettront ainsi la suppression de 10 points lumineux. Le projet s'accompagne d'une politique d'extinction d'éclairage public de 0h30 à 5h30 tous les jours, et à l'application depuis fin novembre 2022. Je vous précise enfin que ces deux phases estimées à 140 097,40 € hors taxe ont reçu le soutien du département à une hauteur globale de 80 756 €, ce qui convient de solliciter un complément de financement auprès de l'État au titre du fonds vert axe rénovation des parcs de luminaires et éclairage public. Donc, considérant le contenu des tranches 1 et 2 du programme communal de rénovation de l'éclairage public, qui est établi dans un objectif de sobriété énergétique et de moins d'impact sur la biodiversité, j'adopte que le coût provisionnel de l'opération s'élevera à 140 097,40 € hors taxe, suivant le plan de financement prévisionnel après, coût provisionnel 140 097,40 € hors taxe, subvention conseiller départemental 13 au titre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan climat, air, énergie territoriale de 80 556 € hors taxe, soit 57,5%, et subvention d'État du dispositif fonds vert axe rénovation des parcs de luminaires et d'éclairage public pour 31 521,92 € hors taxe, soit 22,5%. Autofinancement en commune de Mont-Saint et Assis, 28 019,48 €. TVA en sus, soit 20%. Donc je vous sollicite le sollicite de l'État au titre du dispositif fonds vert axe rénovation des parcs de luminaires et d'éclairage public. La subvention correspondante de l'autorité de M. le maire à son sous-préfet, afin de mener à bien cette affaire. C'est-à-dire, on demande un complément de subvention. Question? Qui est contre? S'abstient? Unanime. Point 25, travaux de rénovation de l'éclairage public. Troisième tranche. De la soie. Demande de subvention à l'État au titre du fonds vert.
Bonjour Patrick Thorpe. Oui, bien, j'y vais. Donc je rappelle, à l'Assemblée, le programme de régulation des finances publiques élaboré par le comité de travaux sur la base notamment de l'étude de la département 13. Je rappelle, les deux premières tranches ont pour objet de traiter les plus risqués, à savoir le remplacement des lampes par vapeur de mercure et une partie des points lumineux ciblés comme prioritaire par l'étude diagnostique du SNED 13. J'indique que la troisième et dernière phase de ce vaste programme de régulation de l'éclairage public concerne le remplacement des sources en suréclairement et des appareils inefficients pour 252 points lumineux. Je précise que cette troisième phase est estimée sous la base de notre accord 4 à bonne commande à 127 819,60 euros en taxes et qu'il convient de solliciter de l'État au titre du fonds vert AXE, rénovation des parcs luminaires et éclairage public, une subvention à hauteur de 80%. Voilà. Donc, le contenu de cette troisième et ultime tranche du programme communal de rénovation de l'éclairage public dans un objectif de sobriété d'éclairage de sobriété énergétique et de moindre impact sur la biodiversité s'élevant à 127 819,60 euros hors taxe. Plan de financement prévisionnel. Donc, groupe révisionnel, 127 819,60 euros hors taxe. Subvention d'État, dispositif fonds vert, axe rénovation des parcs de lumière, 102 255,66 euros hors taxe, soit 80%. Autofinancement, compte de constat des actifs, 25 563,90 euros hors taxe, TVA, soit 20%. Donc, je sollicite l'État au titre du dispositif fonds vert AXE, rénovation des parcs de luminaires et de la publique, la subvention correspondante, autorisant M. le maire à signer les tests publics. Voilà, donc c'est un complément à une nouvelle demande de subvention. Question, vous voyez contre, attention, à bien vite. Je vous remercie. Pourquoi 26 approbation de l'avant de la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire suivie par le CDG-PEN pour le risque de santé, Alexandre Maïs. Vous faites pas mal. Une nouvelle modification par voie d'avenant de la convention de participation à la complémentaire santé conclue avec la communiqué en faveur du personnel communal. En effet, l'application des dispositions du décret du 17 mars 2022 relatives au fonctionnement individuel, ainsi que sont normées de d'effectuer un versement de nos prestations dans la durée maximum que le MMT propose à ce titre, à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier, et sauf en cas de forfaiteur, un délai maximum de 20 jours pour le versement de la totalité de ses propres possessions après l'article 2 du projet d'avenant pour toucher, et ce à compter du 1er janvier 2023. Je précise que l'application du décret du 17 février 2022, de l'arrêté du 17 décembre 2021 et de l'article L160-13 du Code de la sécurité sociale, parmi les autres dispositions du projet, maintenant, s'ajoute à titre de nouvelles prestations au profit du personnel communal, et ce, à compter du 1er janvier 2023. La prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, de moins un forfait patient d'urgence. Donc, vu la convention de participation santé conclue par le centre de gestion de la fonction territoriale de l'Ordre et la mutuelle nationale territoriale pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2019. Donc, autorise M. le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention de participation santé proposée par la MNP pour une prise d'effet en 1er janvier 2023 et de tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de cette présente délégation. Voilà. La question. Pour le vote, qui compte, s'abstient,
Merci. Point 27, création de deux emplois d'agents de maîtrise. Alexandre, tu veux voir? J'ai toutes les lignes claires de gestion fixant d'orientation et critères qui ne doivent pas prendre en compte pour les groupes sur mon choix dans les grades et les cadres d'emploi, notamment les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience. Dans le cadre de cette stratégie de pilotage des ressources humaines, il a été transmis au centre de gestion de la fonction publique du bureau un tableau d'avancement au grade au titre de la promotion interne concernant deux agents de la collectivité. Donc je précise que la promotion interne a pour but de permettre aux fonctionnaires titulaires d'accéder à un cadre d'emploi supérieur par l'inscription sur une liste d'aptitude. Donc j'indique pour tenir compte de l'évolution du code de travail et missions assurées par les agents dans le cadre de leur fonction, et combien de les promouvoir, et qu'il appartient au conseil municipal de modifier les tableaux des effectifs afin de permettre la nomination de ces agents au titre de la promotion interne pour l'année 2023. Donc je propose en conséquence au conseil municipal de ces agents d'effectifs suivant par la création de deux postes de agents d'entreprise à temps complet. Merci. Monsieur le maire précise que le comité de technique sera ensuite saisi afin qu'il prononce sur la suppression des postes devenus donc vacants. Autorise monsieur le maire à citer le député utile pour mener à bien cette affaire. Parce que chaque fois, on crée une ordinaire. Donc, je propose de passer au vote. Juste pour féliciter les deux agents qui ont été qui ont eu la promotion, c'est très bien. Et est-ce qu'on peut savoir les noms, s'il vous plaît? Les promus. C'est Guillaume Marsan et Marius Utizi. Donc, deux services. Guillaume fait partie dans ce service de la classification. Et Utizi. Ok, ben, vous les féliciterez pour nous. Ouais. Ouais, alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui se restient? Merci. Merci. Point 28. Approbation de compte de gestion 2022, budget principal. Je vois Alexandre. Donc, après cette période, je précise que le classique général de la commune et décision non modificative s'y rattache les titres définitifs des dépenses à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes des titres de l'État de l'État des comptes de terre, ainsi que l'État de la CNIL, l'État du passif, l'État des RSA à recouvrer et l'État de reste à payer. Après cette. Que le receveur a repris les écrits, dans ses écritures le montant de chacun des soldes dans l'exercice 2021. Celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qui a procédé à toutes les opérations de statut sur l'ensemble des opérations effectuées le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la procédure. Statut sur l'exécution du budget général de la commune de l'Université, qui a concerné les différentes sections budgétaires. Le conseil de l'Université déclare que le compte de gestion du budget général de la commune dressé par le premier exécutif 2022 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par l'ordre du maire. N'appel ni observation, ni réserve de sa part. Alors, par contre, si vous permettez, puisqu'on va attaquer les délibérations dans lesquelles il y a les budgets, est-ce que vous me permettez, comme l'année dernière, de faire venir une petite note qui a fait le groupe toute cette année par rapport au budget, par rapport au compte de gestion. Par rapport au compte de gestion? Ben oui, je fais une petite note par rapport.
Pour, je ne donnerai pas les chiffres, mais ils sont à la disposition, je peux demander à pu avoir pour dire pourquoi aussi notre position. Mais est-ce que c'est pas mieux que quand ce sera à la fin? Oui, parce que bon, justement, c'est juste pour valider que notre. Oui, mais il y a quand même des choses à voir. Non, mais moi, je n'ai pas de soucis. Non, mais comme vous voulez. Ça m'égale. C'est pas qui veut, parce que là, c'est juste pour valider que le receveur principal, en fait, est d'accord. Oui, les agents consentis, pas dans les départs. Mais je suis d'accord que le receveur peut être d'accord parce qu'il voit que les comptes ne sont pas équilibrés. Voilà, lui, il ne peut pas. Oui, on ne juge pas si on vient dénoncer ou pas. Si tu veux bien, maintenant, vas-y. Bon, merci de me laisser la parole. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous œuvrons depuis l'élection de 2020 pour l'intérêt général de notre village et de ses habitants, avec un esprit constructif mais toujours attentif, et comme vous, amoureux de notre village. Le groupe Tous Mossanais vous remercie ainsi que Patrick Roux de lui avoir fourni les comptes de gestion du budget général, ainsi que celui du canton de Fille-et-Tourisme. Juste permettez-moi un petit rappel de la définition du conseil municipal, qu'il ne faudrait pas oublier. Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Il vote le budget, approuve le compte administratif. Il peut créer ou supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal, accorder des aides aux associations ou au développement économique. Dans la vie d'une commune, l'adoption du budget représente toujours un acte fondateur. Avant cet acte, je souhaite apporter nos remarques. Concernant justement le compte de gestion du budget général, le bilan 2022 fait apparaître une augmentation de la dette de 1 879 000 euros. Nous sommes passés à 2 668 000 euros, soit une hausse de 42%. Ce qui forcément produit une augmentation de la dette par habitant, mais qui n'est pas très importante. On peut s'endetter lorsqu'on fait des investissements, mais quand on n'a pas beaucoup d'investissements, c'est quand même plus embêtant et on passe de 792 en 2021 à plus de 1000 euros en 2022. Le résultat courant non financier s'est dégradé, une baisse de 31%. Une hausse significative des traitements de salaire, c'est logique pour le personnel administratif et technique, et on vient de féliciter les deux promus. Par contre, c'est illogique pour les élus. Il y a une hausse de 16%, sachant que le point d'indice de 3,5% a pris effet à compter du 1er juillet et que donc en 2023, il y aura 12 mois et non pas 6 mois de plus. Le compte global est plus élevé qu'en 2021, ça c'est une bonne chose. Cela est dû à des produits exceptionnels en forte hausse, notamment des produits exceptionnels en capital. Et la commune, nous le savons, a des bases et un potentiel fiscal très élevé, qui est une chance pour nous. Concernant l'analyse de l'exécution budgétaire, par contre, il est intéressant de constater une grande différence entre les prévisions et les réalisations. Dans les investissements, on voit, après les chiffres, mais vous les avez si vous voulez, que 24% du montant des investissements ont été réalisés. Et concernant le fonctionnement, 50%. Le budget voté est exécuté donc à hauteur de 24% investissement, 50% fonctionnement. On peut s'étonner alors que nous sommes à mi-mandat et que l'effectif municipal est en hausse. J'entends, le Covid est passé par là. C'est vrai, vous avez raison, mais il y a des communes voisines qui, malgré le Covid, ont travaillé, réalisé, avancé. Pour preuve, les travaux commencés lors de la précédente mandature dont vous étiez, monsieur le maire, le premier adjoint, ne sont toujours pas terminés, voire pas commencés, avec pourtant des subventions accordées. Alors pourquoi avoir fait un emprunt de 2,5 millions qui n'a pas été utilisé? Pourquoi une décision modificative pour augmenter la section d'investissement de 155 711 euros et la section de fonctionnement de 327 666 euros? Ces écarts viennent-ils d'erreurs de prévision, d'erreurs de programmation? Cela confirme les doutes. Peu de réalisations et pourtant, les indemnités d'élus ont fortement augmenté. Classée station de tourisme, Mossa doit avoir une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence. Ainsi, pour récompenser le travail fourni, le maire peut décider d'une majoration des indemnités d'élus. C'est normal que les élus aient des indemnités. Cependant, à peine élu en 2020, une des premières délibérations lors de votre installation a été de majorer votre indemnité et celle de vos adjoints. Pire, en janvier 2023, alors que les citoyens sortaient à peine de la crise sanitaire,
et entrer dans une crise économique avec l'inflation, l'augmentation de l'énergie et des carburants. Alors que la majorité des maires parlent de budget contraint, vous avez voté par une délibération une augmentation mensuelle de 500 euros pour vous, monsieur le maire, et 200 euros pour vos adjoints. Pour les Maussanais, nous pensons que c'est choquant et maladroit. Pour le groupe Tous Maussanais, peu responsable. Dans les recettes de fonctionnement, il y a des coûts exceptionnels d'un montant de 509 290 euros pour lesquels nous n'avons pas forcément d'explication. Concernant maintenant le camping et l'office du tourisme, puisqu'ils sont gérés ensemble, compte de résultat, une forte dégradation du résultat global. Et en 2021, nous avions 226 952 euros. En 2022, nous sommes à moins 38 077 euros. Les produits ont chuté, moins 7%. Dans le même temps, les dépenses ont fortement augmenté. Certes, vous annoncez un résultat publié de 104 000 euros, mais le compte de gestion 2022 note bien un déficit de 38 077 euros, malgré les 85 000 euros de subventions versées chaque année du budget général au budget du camping office du tourisme et qui va passer à partir de 2023 à 100 000 euros. Je m'en suis expliqué lors du dernier conseil d'exploitation. Le camping est largement déficitaire et vous engagez pour le dit camping des investissements toujours plus conséquents. Monsieur le maire, vous avez avec vos élus décidé la fermeture de la piscine municipale pour des raisons, entre autres, de rentabilité. Nous regrettons cette décision unilatérale. Ce manque de concertation avec la population est un fonctionnement antidémocratique que nous regrettons. Vous avez dit dans la presse un beau matin que vous étiez favorable au regroupement des trois communes 13520. Là encore, décidez seul, sans aucune discussion, ni avec votre conseil municipal, ni avec votre population. Alors, monsieur le maire, pourquoi continuer à maintenir le camping sous perfusion? Quels sont vos intérêts? Je note un manque de transparence avec des données erronées, certaines masquées que l'on devine par réduction, des produits exceptionnels qui sortent du chapeau, le budget voté n'est pas réalisé en totalité. Il n'y a pas de cohérence dans vos choix, pas de constance dans vos actions. Nous attendons toujours un plan prévisionnel pluriannuel. Votre budget à mi-mandat dénote une forme de non-maîtrise ou de laisser-aller. Pour toutes ces raisons, monsieur le maire, le groupe Tous Maussanais votera contre le compte administratif, le compte de gestion et le budget général, ainsi que ceux du camping et de l'office du tourisme. Je vous remercie. Comme ça, vous savez notre point de vue. Merci. Donc, je vous répondrai au prochain participant. Effectivement, nous ne sommes pas du tout d'accord. Mais c'est normal. Après, on a le droit de. Bien sûr. Donc, le compte de gestion a voté pour vous faire voter pour la gestion. Donc, on a trois votes. On a trois pas. Voilà. Donc, ça, c'était le point. Donc, point 29. Approbation du compte de gestion 2022, budget annexe de la régie à simple autonomie financière, donc exploitation du camping et la gestion du tourisme. À toi, Alexandre. Toujours. Non, c'est moi. Donc, TSF fait présenter le budget effectif de l'exercice 2022 du budget annexe de la régie à simple autonomie financière, chargé d'exploitation du camping et du tourisme. Une décision modificative qui s'y rattache, les titres évidemment définitifs d'expérience recouvrée, le détail des dépenses effectuées sur les mandats de frais, les bordereaux de titres, de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur, accompagnés des états de développement, les comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a rempli dans ses écritures le mandat de chacun des soldes suivant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement renoncés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre, il a été prescrit de passer dans ses écritures. Donc, traitant sur l'ensemble des opérations effectuées évidemment du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Traitant sur l'exécution du budget annexe de la fiche à simple autonomie financière de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Donc, déclare que le compte de gestion du budget annexe de la régie à simple autonomie financière dressé pour l'exercice 2022 par le receveur principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà. Donc, nous sommes tous les deux, heureusement, en conformité au centime près. C'est le but de cela.
Donc, on passe au vote. Qui est contre? On est trois. Qui s'abstient? Merci. Donc, point 30, élection du président pour les comptes administratifs. Donc, j'indique à l'Assemblée, dans l'application de l'article L21-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal doit être son président. En effet, le maire en exercice ne peut ni présider la séance de l'Assemblée des délibérants au cours de laquelle est examiné son compte administratif, ni participer au vote. Donc, je propose M. Marc Fusard en tant que président de séance pour les votes des comptes administratifs 2022 du budget principal et de la régie à simple autonomie financière chargée de l'exploitation du conseil municipal et de l'office de tourisme. Donc, je propose Marc, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Et comme de tradition, ce n'est pas une obligation, mais de tradition dans les communes, quand on voit de renseigner le compte administratif du budget principal, le maire peut se retirer. Et je laisse la parole à Alexandre. Non, à Marc. Je te remercie. Mais de rien. De m'avoir laissé la parole. Voilà. Et donc, pour ça, je te laisse la présentation. Donc, vous présentez le budget principal. Donc, comme vous savez, vous êtes rentré trois réunions, hein, qui ont parlé de travail. Et je vous propose qu'on aborde d'abord la section de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses, le total est de 3 508 866 021. En ce qui concerne les recettes, toujours dans la section de fonctionnement, le total avec le volontaire au conseil sont de 6 956 165,62. C'est bien qu'avec le résultat de structure, le résultat définitif pour la section de fonctionnement est de 2 793 391,63. Si vous le voulez bien, maintenant, on passe à la section investissement. En ce qui concerne les dépenses, avec le résultat reporté, le total est de 1 978 923,90. En ce qui concerne les recettes, les opérations d'exercice, donc ça fait 2 298 948,32. C'est bien qu'avec le reste à réaliser, on a un objectif en dépense de 1 743 470,58. Ce qui fait que pour l'ensemble, on a une recette en dépense de 1 049 921,05. Donc, ce sont les résultats des réunions qui ont été faites dernièrement. Donc, on peut passer au vote. Donc, qui se contre, la suspension. C'est excellent. Je pense à vous. C'est excellent. Je rappelle au nom composant du conseil municipal, l'un des principes de l'instruction budgétaire et comptable L14, principe propre conduit par le L57. Que la commune applique depuis le 1er janvier 2023. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un adopté d'enfants qui permet de financer une pour partie des dépenses de la section d'investissement.
l'exécution budgétaire du virement n'intervient qu'après constatation au compte administratif d'un excédent de fonctionnement au moins égal à l'autofinancement prévu, la section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution des nécessaires correspondant aux besoins de financement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat en toute partie, soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement en rapport. L'exécution de l'autofinancement s'effectue au vu de la délibération de l'Assemblée et affectant ce résultat. Donc, pour le budget général de la commune, les sections de fonctionnement présentent un excédent de clôture à la fin de l'exercice 2022 de 2,789,392,63 €. Pour la section d'investissement et le solde grâce à la réalité présente à la fin de 2022 un solde d'exécution déficitaire à la fin d'apparaître un besoin de financement à hauteur de 1,743,470,58 €. En conséquence, on propose d'affecter sur l'exercice 2023 ce résultat de la façon suivante. 1,743,470,58 € en besoin de financement de la section d'investissement à rémission d'un titre de recette à l'article 1068 et 1,049,921 € reporté en excédent de fonctionnement à la ligne R002. Je vous propose de passer au vote. Vous voyez, je regrette là, bien évidemment, la façon dont c'est présenté. On voit 404 000 en positif. Je regrette qu'on n'ait pas le résultat de l'année. Il y a quand même, c'est le compte de gestion qui dit moins 38 €. C'est un peu, je trouve que c'est pas très. Tout ça, c'est pour ma, à mes yeux, c'est pas honnête. On est bien, c'est pas honnête. Oui, je sais. Donc c'est pour ça que je suis tellement dans les chiffres que qui est contre ? C'est bon, je crois. L'abstention ? Pas de sujet. Bon. Je ressens. Donc, on continue ça. Donc, vous pouvez pas se croire. Donc, je vais vous dire que le budget annexe de la régie à cette autonomie financière, exploitation du camping et gestion du tourisme. Rapporteur, M. Max. Je vous propose qu'on aborde l'exploitation dans ma première année des dépenses, donc avec un exercice, je passe de l'exercice, donc 504 656,40 €. En ce qui concerne les recettes d'exploitation, on a rapporté 628 786,40 €. Ce qui fait que, avec les résultats de clôture, et bien de salaire définitif, et de 104 130 €. Ce qui est donc en termes d'investissement, il n'y a rien eu, donc ce qui fait que l'ensemble, on trouve un résultat de 104 130 €. Alors là, permettez-moi de dire que j'avais une déclaration d'avance. On voit bien pour le camping 104 130 €. Et moi, je lis sur le bilan en euros, le résultat de l'exercice pour 2022, moins 38 077,47. Donc, effectivement, vous avez un cumul parce que l'année dernière, il y avait eu une aide de l'État et c'est tant mieux. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut être honnête, on ne peut pas nier le fait que le camping en 2022 a perdu 38 077,47 €. Et on ne le voit pas inscrit là. Alors, c'est votre choix.
mais je trouve que vis-à-vis des mots salés, c'est pas honnête. Voilà, je tenais à le dire. Alors, moi je vais te répondre juste oui. Oui. Oui, Marie-Pierre. Oui, je t'écoute. Donc, effectivement, on est à 50 000 centrales par rapport à l'excédent de l'équipe. Bien vu le 34, on va être précis. Donc, le résultat de l'exercice est négatif de 28 000 euros parce que, et ça je tiens à le préciser parce que tu parles du fait que le résultat est négatif, mais il y a quand même eu un renversement exceptionnel au budget général de 48 500 euros. Donc, si on prend ces 48 000 exceptionnels qui ont été remboursés au budget général, si on prend les 38 000 et si on rajoute ces 48 000, en définitive, pour moi, le camping est bénéficiaire de 10 500 euros. Bon, excédentaire, enfin, pas dire bénéficiaire, je n'ai pas le bon terme, mais excédentaire de 10 500 euros et non déficitaire. Je termine. Je pense que cette année, je ne suis pas de même, mais si cette année on se retrouve dans une année la configuration normale, on sera en fin de session et à la fin d'exercice pour l'année prochaine, je suis persuadé que le camping sera à nouveau bénéficiaire, certes aux alentours de 10 000 euros, mais c'est à peu près ce qui était avant qu'on ait le Covid. Oui, mais toujours pareil, je vous redis que oui, vous avez le camping à reverser à la commune, donc justement, il y a des jeux d'écriture avec lesquels vous pouvez, avec les écritures, on fait dire à peu près ce qu'on veut. Je rappelle juste qu'elle doit être 38 000, oui, et que vous versez quand même du budget général au camping au fil du tourisme, 85 000, et que vous allez passer à 100 000. Donc ça veut dire que si c'est le camping, c'est l'office du tourisme, c'est deux choses différentes. Non, mais c'est le même montant. Oui, non, voilà. Mais c'est le même compte. La preuve, c'est que les 100 000 sont dans le budget du camping. On va pas être éloignant. Donc voilà, je tiens à le dire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, tout à fait. Voilà, moi je vais vous dire une chose quand même. Non mais, je pense que ça, ça a été discuté dans tous les comités de finances de l'entreprise. Maintenant, justement. Oui, mais j'étais au conseil de la. Non, mais Sébastien, ça, c'est. Non, je parle pas du conseil, je parle des. Sébastien, ça, c'est le code d'exploitation de la gestion de la régie du camping. Oui, je sais. Mais on en a parlé aussi. Lors des. C'est deux choses différentes. Mais j'en doute pas. Mais maintenant, bon, je fais comme je peux, et des fois, je viens. Non, mais c'est juste ce final. Je suis surprise de ne pas l'avoir vu, mais ça, on va expliquer. C'est bien. Ben, j'aurais aimé le voir là. Voilà. Ça aurait été bien. C'est dit. Merci. C'est un prix. Bon, oui, ben, on t'a laissé le. On t'a laissé toutes les discussions. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, je propose de commencer. Qui est contre? Abstention. Un adjoint. Donc, on va rappeler M. Le Maire. Si tu veux bien rejoindre ton siège et ton rôle, on recrutera tout à l'heure. Alors, maintenant, la question du résultat 2022 du budget annexe de la régie à Saint-Denis financière, donc de l'exploitation de mobilité, de la gestion du tourisme, dont je rappelle moi, représentant du conseil municipal, un des principes de l'instruction budgétaire et comptable de l'État applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, soit la régie à l'économie financière chargée de gérer l'exploitation du campus municipal de Néron-Marin et de l'aussi de l'économie. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer pour partie les dépenses de la section d'investissement. L'exécution budgétaire du FIRMAN n'intervient qu'à la consommation au cours d'administratif d'un excédent d'exploitation ou moins égal à l'autorisation prévue de la section d'investissement, je vous rappelle la somme d'exécution déficitaire correspondant aux besoins de financement. Je ne précise pas que le budget annexe de la régie à simple commune financière présente une section d'investissement en vue et que d'autre part, sa section d'exploitation présente un excédent de clôture à la fin de l'exercice 2022 de 104 130,34 € et dès lors, après avis du conseil d'exploitation de la régie du 24 mars 2023, d'affecter son résultat de la façon suivante, donc intégralement reporté en excédent d'exploitation sur l'exercice 2023 R002, la fin de 104 130,34 €. Voilà, merci. Donc je passe au vote.
Donc contre, 3, abstention, merci. Donc point 35, vote des taux des contributions directes, Alexandre. On rappelle à la somme, mais les applications de l'article 7 de la loi de 2001, les parts communales et les départements, personnes qui ont été bâties, sont fusionnées et affectées aux communes depuis 2021, en proportion de la perte de la taxe d'habitation sur la résidence principale. J'indique par ailleurs que à l'Assemblée, que cette année, les communes retrouvent le pouvoir de voter le taux de taxe d'habitation qui s'applique dorénavant aux résidences secondaires et aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je rappelle que le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est depuis 2021 majoré du taux de départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, il est proposé au membre du conseil municipal, à l'aide d'une communauté financière moyenne généreuse de maintenir pour 2022 pour 2023, soit taxe foncière de l'unité bâtie de 30,60%, et taxe foncière de l'unité bâtie de 39,50%, et le taux de taxe d'habitation sur la résidence secondaire et autres non affecté à l'habitation principale à 12,68%. Donc, le monde additionnel de l'exécution de la présidente de libération. Des questions? Passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Une délégation. Alors, quoi de l'autre? Pardon, mais ça. Allez, point 36, constitution d'une provision pour créance coûteuse 2023. Donc, j'informe à l'Assemblée que par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la réglementation rend obligatoire une dotation aux provisions et pour créance coûteuse. Je précise qu'une provision doit être constituée par délibération du conseil municipal lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers compromis malgré des diligences opérées par le comptable public à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des informations communiquées par le comptable. Dès lors qu'il existe au cas donné des indices de difficulté de recouvrement d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité est supérieure à celle attendue. Il existe donc potentiellement une charge latente si le risque se révèle qui, selon le principe de prudence, doit être traité par le mécanisme comptable de provision en fonction de la nature et de l'intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions pour créances douteuses ou dépréciation repose sur des écritures d'ordre par utilisation en défense du code 699. Il doit être à nouveau étudié chaque année en concertation avec le comptable. Dans ce cadre, il y a un contrôle de dépréciation des créances de plus de 2 ans. L'objectif est de s'assurer de la constitution des dépréciations dès lors que la valeur probable le recouvrement d'une créance est inférieur à sa valeur nette comptable. Une anomalie est détectée si le solde des comptes de tiers de créance douteuse n'est pas égal au moins 15% du montant total des pièces prises en charge depuis plus de 2 ans. Je précise qu'en séance du 31 mars 2022, le conseil municipal a décidé de constituer une provision pour créance douteuse à hauteur de 1 000 euros au titre de l'année 2022. Le service de gestion comptable de Château-Romard nous a fait savoir qu'il constate une dette jugée coûteuse à hauteur de 8 058,25 €. Ainsi, 15% de cette dette est égale à 1 208,74 €. En notant la provision déjà constituée en 2022 pour 1 000 euros, il convient ainsi de prévoir sur l'exercice 2023 une dotation de 208,74 € à titre de provision pour ce type de créance. Voilà, donc je propose à ce que la
on décide une dotation de 200 074 € aux provisions de frais de club et pour les exercices de l'État. Donc, c'est la question. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point 37, info sur l'État présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont les fixités élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Selon l'article L2223-L2221 du Code général de la collectivité territoriale, créé par la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019. Alexandre. J'indique à l'Assemblée que conformément à l'article L2223-24, chaque année, les communes établissent un état représentant l'ensemble des indemnités de culture, les bénévoles dont bénéficient les élus, siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat et en fonction des livres de 7 et 8. De la cinquième partie de toutes ces sociétés mentionnées au livre 5 de la première partie, qui sont aux filiales de ces sociétés. Je rappelle également que ces indemnités en fonction des municipaux ont été réalisées par délibération du 10 janvier 2023 avec une prise effective au 1er février 2023. Donc vous avez ici sur le tableau pour le maire. Le taux est de 42,18%, qui représente un montant moyen mensuel de 1697,97. Pour les adjoints, le taux est de 15,59%, soit un montant moyen mensuel de 627,58. Et pour les conseillers municipaux titulaires des délégations, le taux est de 13,02%, avec un montant moyen mensuel de 500. 4,12 €. Voilà. Donc, point 38, vote du budget collectif 2023, budget principal. Alexandre. Donc, je propose de procéder au vote du collectif et de par chapitre. Donc, pour la section de fonctionnement, donc, pour le support, j'ai 4,751,804,05 sur les recettes, c'est le même chiffre. Et pour la section d'investissement, les dépenses sont de 4,813,237, soit 42,5% des dépenses de fonctionnement, et que par ce qui vous est proposé, la masse salariale 2023 nette sera de 1 640 000, soit 40% des dépenses de fonctionnement, dont on baissera légèrement. Mais autrement, j'ai fait une note sur le compte de gestion, par le budget. Gestion, c'est pas nous. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, point 39. Vote du budget de 2023, qui est annexe de la régie chargée de santé, pour les fonctions du parti municipal, mais on en a été la gestion du tourisme. Donc, avec de la distinction financière chargée de gérer l'exploitation du côté municipal de Romain et de l'autonomisme, proposé pour avis au conseil d'exploitation de la régie en 24 mars 2023, et que je pense que vous avez en texte. Et je propose donc de procéder au budget primitif. Il marche plus, il marche.
quatrième étude du budget annexe de la Régie simple autonomie financière par chapitre. C'est des problèmes techniques ? Ça va depuis quand même. Oui. Il me fait le coup que le coup. Voilà. Alors, Donc, total section d'exploitation, on dépense 568 130,34 € et on recette évidemment la même somme, 568 130,34 €. Je passe au vote. Trois contre. Trois contre. Abstention. Merci. Point 40. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Au point de subvention de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2023. Je rappelle que par rapport à l'article L2131-11, qui est cité, que depuis créé par la loi 4642 du 24 février 1996, dispose que sont illégales les délibérations auxquelles on prend part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à faire pour faire l'objet soit leur nom personnel, soit comme mandataire. Donc, on entend par intérêt personnel à l'affaire, intérêt privé, professionnel, personnel, collectif, de manière générale, en intérêt à l'affaire auquel c'est référence, et c'est parti, on va entendre. Donc, le Conseil d'État, dans sa décision du 9 juillet 2023, a considéré que le conseiller municipal, membre du conseil d'administration d'une association qui poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, doit être regardé comme intéressé à l'affaire concernant cette association. Et donc, c'est ce que le vote par l'année intéressée entraîne l'illégalité de la déclaration. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on vous propose à contre-temps, donc, dans ce 1 500 €, est-ce qu'il y en a qui doivent sortir ou pas à contre-temps ? Non. Bon, on va pas les sortir. Non, ce que j'allais dire, moi, j'ai des intérêts aussi d'envoyer. Non, mais c'est après, comme ça, je suis pas dans la liste. Donc, voilà, j'avais plus là, oui. Donc, à contre-tendance, 1 500 €. Donc là, il n'y a personne qui est là. Donc, personne contre, personne s'abstient. Albi, tempo, groupe musical, 500 €. Tu n'es pas Henri, toi ? Donc, Henri sort et revient. Donc, Henri, il y avait nous. Il sort de la salle. Il se reporte. Voilà, il se déporte. La deuxième, Albi Tempo. Ancien Sinamaï. Voilà. Ancien Sinamaï, donc il propose 500 €. Donc Alexandre en moins, Henri en moins. Monsieur Alexandre compte, qui s'abstient, merci. Ancien combattant. Non, donc propose 200 €. Contre, abstention, merci. APEMA. Personne APEMA. Donc 650 €. Contre, abstention, merci. Body Fit Boxing, 1 000 €. Contre, abstention, merci. Boulevard, 1 300 €. Personne à la carte, personne qui fait partie de la Boulevard. Thierry. Oui, voilà. Je donne un don. Bah non, c'est à moi de donner un don. C'est ceux qui font partie de l'association. Donc voilà, 1 300 €, contre abstention, merci. Collège de milieu, association sportive, 150 €, contre abstention, merci. C'était bébé, comme Thomas. Il y en a qui s'est mis à la carte, là. Allez, bébé, la main. Marie-Pierre. Mumu. Marc. Bon, voilà. Donc, il sort. Donc, 6 000 €. Contre, abstention, merci. Vous pouvez revenir. Club de yoga. Il y en a quand même besoin. Oh, 300 € contre, abstention, merci. Coopérative scolaire maternelle.
650 €, abstention contre. Merci, ESVB. Club de foot. Ouais, c'est bon. 5 000 € contre, abstention. Merci. Éveillez-nous. Contre, abstention. Merci. 400 €. Flaca. 200 €. Contre, abstention. Merci. À Orlac. Donc, Alexandre, Bernadette, sortent. Proposition de 1 000 €. Contre, abstention. Merci. Vous pouvez revenir. Le gymnase, 300 €. Alors, Bernadette, c'est tout. Contre, abstention, merci. Je dis si je vais trop vite là. Les amis du Moulin Cornic. Ah, moi, je suis là. Ah, donc, Lucie, sort. Donc, 300 €. Contre, abstention, merci. Tu peux en venir. Les sentiers. Oui. Non, mais, à Christine était aussi. Oui, donc, c'est pas mal. La question de l'année. Les sentiers de Mossam. La pratique, la fuite. Sort. 500 € contre abstention, merci. Les tambourinaires de la vallée du Beau, contre abstention pour 250 € contre abstention, merci. Location. Marc Fusard. Bernadette. Donc, sort. 600 € contre abstention, merci. L'Ovalib. Alors là, il y en a. L'Ovalib, il y a Sébastien et Patrick. Ils sortent. 1 000 € contre abstention. Merci. Alors, l'Ovalib, club de rugby, toujours exceptionnel. Donc, toujours, vous êtes dehors, vous ressortez. 3 000 € contre abstention. Merci. Parcours littéraire en Provence. Contre 500 € pardon. Contre abstention. Merci. Shakti, c'est du yoga aussi. 500 € contre abstention. Merci. Saint-Éloi. Alors, Saint-Éloi, Laurent, Émilie, Marie-Pierre, Marc, Alexandre, Henri. C'est certainement Christine aussi. Oui, non, c'est vrai. Et Christine, il faut les vérifier s'il reste encore pour la Saint-Éloi. Je ne suis pas attaché. Ah, alors attends, on va voir. Ok. Pour nous quitter la salle. Ah oui, ça va être contre toi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, je suis à Saint-Éloi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et Christine, sept, je pense. Sept. Sept. Présent. Présent. Donc, ceux qui votent, ben, check si vote. Alain, il vote. Oui, donc, le prêt des courants, c'est par rapport au présent. Ah oui, c'est par ça. Donc, les présents, on est combien là? Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7. Non, mais pareil. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 14 présents. Ouais. Donc le grand, il est à 8. Donc je crois qu'on est 8. Alors, vas-y, vas-y. Fabienne, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu fais pas le leader, c'est ça, ils ne sortent pas. C'est ça, ils ne sortent pas. Mais toi, j'ai cette chaîne. Tu peux aller voir. Je ne l'ai pas prise, c'était un peu. Wouah! Attends, imagine, mais tu ne peux pas faire ça, t'es moi. Émilie, Henri, Alexandre, Christine avec sa procuration, Marc. Marie-Pierre, c'est ça? Oui. Et Laurent. On a tout dit là, ce qui peut être une exploration. Non, elle a chez lui. Ah, il est là. Ok, on y pense. Ouf, le bon sang est. Donc, les 3500, hein, donc c'est contre, abstention. Merci yes. Pour eux, ce fut juste. Souvenir français. Ouais. Bon, ça va, ça devrait passer là. Donc, Marie-Pierre, donc, proposition 150 € contre abstention, merci. Tennis Club. 3 500 € contre abstention, merci. Mais maintenant, j'avais voir Pisa et la petite Ouais, on dit c'est ça. Mais Je ne vois pas les tennis.
Pierre Dubot, Marie-Pierre. Ma mère. Ta mère, oui, ta mère. Je sais pas. Et ça compte, ça compte, ça compte. Et ça Émilie. Ah, c'est... Ça, c'est un truc de fou, ça. Mais c'est fou. C'est pas la logique, hein, c'est parce que. Émilie, toi, Émilie, voilà. À 250 €. Je la consultation, merci. Et pour terminer, faire des cours en manifestation ponctuelle. Donc, ressortent Émilie et Marie-Pierre, c'est ça? Oui. Donc, là, 300 €. Contre, abstention, merci. Alors, ça, donc, ça, juste. Oui, pour le foot, du coup, moi, je modifie ce qui joue. Ah, mais t'as pas le droit. Alors, c'est moi, le SVB, on t'enlève. Alors, moi, à l'autre temps, tu m'enlèves aussi. Non, le titus qui joue, ça va. Et moi, fils, si je Évidemment, comme d'habitude, tout ce qui est présenté a été évidemment travaillé en comité et bien, cette proposition a été validée par le comité. Donc, point. La crèche. Donc, justement, donc, l'approbation du convention de financement entre la commune de l'association de Rome et du petit. Relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement de 2023, Émilie. Oui, donc je vous rappelle l'activité de la crèche associative, le rendez-vous des tout petits qui offre 26 places de crèche et qui fait l'objet annuellement d'un soutien par la commune de Saint-Saëns et à l'octroi d'une subvention de fonctionnement. Je vous rappelle par ailleurs qu'une subvention publique dont le montant annuel excède les 3 000 € nécessite d'établir une convention entre la collectivité publique et l'association bénéficiaire. Donc, une convention que vous avez eue en annexe. Il est donc proposé ce jour d'accorder une subvention de fonctionnement pour l'année 2023 d'un montant de 119 155 € à l'association Le Rendez-vous des Tout-Petits et d'apporter une nouvelle convention en ce sens. Donc vous l'avez mis en test rent, en annexe, donc voilà. La seule, donc, il y a une augmentation de cette subvention. La seule différence, c'est au niveau des acomptes, parce que ça avait été calculé par rapport à l'ancien montant. Donc il y a déjà un acompte de 54 810 € qui a été mandaté en janvier 2023. Un deuxième acompte de 30% en juillet, d'un montant de 35 747 €. Et le soir de pouvoir en octobre de l'année, d'un montant de 28 798 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre sur le sel de l'unité? Merci. Donc, le point de fonction de fonctionnement à l'agriculture, je rappelle au moment présent du conseil municipal que depuis juin 2016, l'activité du tourisme de service public administratif a été transférée d'un point de vue comptable au budget annexe de la régie à simple autonomie financière en institution d'un office de tourisme en modifiant les statuts de la régie à simple autonomie financière. Je propose que la commune puisse verser une subvention du budget annexe de la régie dans l'objet d'équilibrer financièrement l'activité du tourisme, tout simplement cette activité qui constitue un service public administratif par en fonction de ses dépenses, notamment en matière de frais personnel et de ses recettes prévisibles. J'indique que pour l'année 2023, après avis du Conseil d'exploitation de la régie du 24 mars 2023, il est proposé que soit versé au budget annexe de la régie une subvention de fonctionnement d'un montant de 100 000 €. Voilà.
Alors, juste pour rappel, toi, tu dis le service fonctionnement de l'office du tourisme seulement, sauf que les 100 000 euros, ils figurent dans le budget avec le camping aussi. Tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas dire que le fonctionnement du tourisme, si. C'est ensemble. Non, alors, c'est pas parce qu'ils sont ensemble que ça veut dire que les 100 000 sont pour le camping. Oui, mais dans, en tout cas, dans le voilà. Compte, dans le compte. Alors, dans je rappelle pour prendre le fait, à un moment donné, non, mais tu sais, mais parce que quand je dis, quand j'ai cru entendre que c'est pas honnête, pour moi, ça veut dire que c'est malhonnête. Et ça, je veux bien qu'on soit pas d'accord, je veux bien qu'on soit pas d'accord, mais nous traiter de malhonnête, ça c'est plus gênant. Voilà, je ne peux pas. Si, si, ça dit, non, si c'est t'as dit, on va pas vous faire écouter, t'as dit que c'est pas honnête de dire. C'est pas honnête. J'ai mis 500 000 euros. Et quand on dit que c'est pas honnête, en fait, c'est pas honnête.